La scène se déroule sur une route de la banlieue de Tulsa, deuxième ville de l'Oklahoma, au centre des États-Unis. L'homme habillé en blanc vient d'être arrêté par la police. Il s'appelle Terence Crutcher. Les mains en l'air, il s'approche de sa voiture, tenue en joue par plusieurs agents. Tout est filmé par plusieurs caméras de la police locale. On peut entendre également les échanges entre les forces de l'ordre. J'ai le sentiment que quelque chose se passe. Ça a l'air d'être un bon gros sale type aussi. On est sur quelque chose. Quelques secondes plus tard, le sale type est abattu par balle. Il s'écroule sur le sol. Terence Crutcher avait 40 ans. Sa famille est effondrée. Vous voulez savoir qui était vraiment ce gros sale type ? Ce gros sale type était mon frère jumeau. Ce gros sale type était un père. Ce gros sale type était un fils. Ce gros sale type était étudiant à l'université publique. Une enquête a été ouverte par les autorités fédérales, mais sans attendre les conclusions, la policière qui a ouvert le feu a été suspendue de ses fonctions. Je vais vous dire tout de suite, il n'y avait pas d'arme sur le suspect, ni dans sa voiture. Cette nouvelle affaire de violence policière envers les Noirs s'est invitée également dans la campagne électorale aux États-Unis. Hillary Clinton a qualifié ce crime d'intolérable.